Yo tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire une vidéo balade de Santa Fe pour aller à Sacramento qui se trouve juste ici. Donc là vous êtes plus sur une vidéo du coup qui va durer environ 25 minutes hein, ou même plus. Hein. C'est-à-dire que cette vidéo va être très longue hein, à regarder. Donc j'espère en tout cas que vous prendrez le temps du coup de la regarder parce qu'elle va être vraiment longue. Hein. On a 75 km à parcourir. Hein. Donc en vrai ça va. Parce qu'il s'agit que la toute première fois quand je faisais des vidéos balades, vous savez combien de temps c'était le trajet? C'était 115 km. Et c'était vraiment super long, 115 km à parcourir en vidéo. Et là on passe de 115 km à 75. Hein. Donc pour vous dire c'est quand même vraiment moins long, cette distance est vraiment moins longue à parcourir hein, qu'à l'époque par exemple ce trajet c'est comme si on faisait un Los Angeles Miami. Et oui, ce trajet c'est vraiment comme si on faisait Los Angeles Miami. Et donc pour vous dire c'est quand même très long quand même comme trajet. Hein. Et ben ce trajet n'est rien comparé à les autres trajets, bah, ce trajet là théoriquement il y a moins de kilomètres à parcourir hein. Alors il y a peut-être moins de kilomètres à parcourir mais finalement ça revient un petit peu au même hein, finalement j'ai l'impression. Alors moi quand j'ai fait des vidéos j'ai l'impression que ça revient au même, c'est à dire que quand je fais cette vidéo bah, par rapport à Los Angeles Miami c'est à peu près ça en vrai hein. 20-25 minutes c'est à peu près le trajet que je mets pour parcourir la licence. Donc finalement, bah je sais pas quoi dire réellement. Mais il s'avère que ce trajet est approximativement le même. La distance est la même qu'à l'époque, quoi, à peu près. Hein. Bah, la distance n'est pas la même, mais par contre la vidéo, bah simplement le temps de visionnage est le même. Hein, à peu près. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est à peu près le même du coup. C'est équivalent par exemple quand je fais une vidéo balade hein, sur ce coup de en rallycross hein, par exemple, et ben sachez que ça fait je tourne dans les 20 minutes. Et oui, c'est à peu près 20 minutes hein, de la vidéo. C'est quand même long. Bah oui. Et c'est ce que je dis, hein, ça n'est rien comparé à. Ce n'est rien comparé à ce que je fais maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était 20-25 minutes. Et ben, je sais pas pourquoi. Ça met aussi 20-25 minutes. Hein. Or que la distance à parcourir est moins importante, hein. Alors je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on met plus de temps finalement pour pouvoir courir une distance plus courte? Moi je pense que j'ai ma théorie sur ça. Et pourquoi on met toujours autant de temps pour parcourir cette distance, alors qu'elle est plus courte hein, finalement que l'autre. Hein. Alors la distance est toujours finalement plus longue, je pense savoir. Vous savez vraiment pourquoi? C'est parce que ce trajet, il y a beaucoup de virages. Hein. Il y a beaucoup de virages, à un moment on tourne à droite, à gauche, pas très... Il y a beaucoup, beaucoup de ça. Or que les autres vidéos que je fais, eh bien, il y a beaucoup plus de lignes droites. Et donc je suis beaucoup plus routeur hein, de ma voiture, ce qui veut dire que je vais plus vite. Or que là, ben, je suis en dessous des 200 km/h assez souvent. Et donc forcément, je roule moins vite, et donc du coup... les kilomètres passent moins. Donc, voilà, ma petite théorie, c'est sûrement ça. Je ne sais pas du tout si cette théorie s'avère vraie, mais... Si cette théorie s'avère vraie, ben, ça serait la raison pour laquelle ben, je m'écoule devant. Et après, je sais pas pourquoi, hein, honnêtement. Allez. Peu importe, honnêtement, c'est comme ça. Et du coup, voilà, c'est bien, en tout cas, je sais pas combien de temps elle va durer, je pense que c'est une demi-heure. Hein. Enfin, la première fois, j'ai mis 25 minutes, après, je n'ai plus une idée, honnêtement. La première fois que j'ai fait cette vidéo, je l'ai fait avec une voiture qui allait, je crois, beaucoup plus vite. Hein. Parce que là, on fait une vidéo balade avec, en véhicule terrain, hein. En véhicule sur terre. Hein. Donc forcément, c'est un peu la raison pour laquelle pas. Voilà. Mais sinon, on va parler d'autres choses. On va parler du The Crew Motorfest. Hein. Parce que The Crew Motorfest, au moment où je vous parle à l'heure actuelle, eh ben, il y a eu tout simplement une news
comme quoi la phase 2 de test sur Rico Winterfest est actuellement terminée. Ça veut dire que la phase 2 elle est finie et la phase 3 commence. Et ben au moment où vous verrez cette vidéo, ben, la phase 3 va commencer. Donc c'est-à-dire le 12 avril 2023. Et il s'agit que le 12 avril 2023, ben, c'est le jour de mon anniversaire. Ce qui est en vrai un hasard pur. Hein. C'est franchement la phase 3 de Zuko Motorfest tombe le jour de mon anniversaire, ce qui est en vrai super bien. Hein. Mais le problème de la phase 3, c'est que la phase 3 se base uniquement sur PC, encore une fois. Et oui, malheureusement, ça fait déjà quand même 3 phases hein, que c'est que sur PC, et donc les consoles, et ben, c'est toujours pas pour le moment qu'on aura des tests sur le jeu sur console. Hein. Et donc c'est bête, alors du coup je me suis inscrit sur PC pour avoir peut-être une chance d'avoir du coup Motorfest sur PC, mais qui sait que peut-être que j'aurai pas du coup, mais bon, on sait jamais, mais ouais du coup c'est vraiment bête parce que du coup j'ai été obligé de m'inscrire sur PC parce que là du coup la phase 3 elle est encore sur PC et je dis franchement c'est quand même bête là au bout d'un moment. Donc je me suis inscrit sur PC et puis je verrai bien si... Ah, si je gagne ou pas hein. Parce que finalement bah, je ne sais pas quand est le tirage, je sais pas si c'est un tirage au sort, j'en sais rien, mais du coup ouais, c'est bête parce que du coup Motorfest bah comme je viens de dire mince malheureusement du coup Motorfest bah, il est plus sur PC encore une fois et moi ça m'embête un peu. Vous savez pourquoi on veut s'embête? Parce que du coup Motorfest c'est que sur PC et maintenant bah moi j'aurais aimé jouer sur console quoi. Et malheureusement c'est pas le cas. Donc je me suis inscrit sur PC et puis bah on sait jamais. Peut-être ou peut-être pas que je gagnerai, enfin voilà. Mais bon c'est bête en attendant par contre parce que c'est encore sur PC, j'ai l'impression que les 4 phases, hein, ça serait que sur PC, à moins que la 4ème phase, hein, vu que c'est la dernière, peut-être que ça sera sur console. Parce que franchement, ils ont mis une inscription. On peut s'inscrire sur console et ça n'a toujours pas servi quoi. Donc j'ai l'impression que ça va peut-être cesser tout le long quoi. Je pense que toutes les phases, ça va se passer que sur PC. Au total, il y a 4 phases. Hein. Et là, on en est déjà à la phase 3. En vrai, c'est vraiment pas mal. Hein. On en est déjà à la phase 3. Hein. Les phases, c'est à peu près tous les mois. Hein. Un mois et une semaine. Hein. Donc c'est-à-dire qu'un mois et une semaine c'est suffisant hein, pour qu'on ait une phase supplémentaire. Il y en a 4, il y a 4 phases et là on est déjà à l'avant-dernière phase qui commence demain. Enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, la phase 3 aura déjà commencé et du coup c'est super bien. Voilà. C'est super bien que la phase 3 commence, mais moi j'ai toujours pas pu jouer à The Counter-Phase depuis la phase 1. Donc depuis le 31 janvier, j'ai toujours pas pu mettre la main dessus. Quoi. Parce que c'était sur PC et du coup, ben. Voilà. Et je ne me suis pas inscrit sur console, sur PC, hein. La phase 2, parce que je pensais que ça allait être sur console, alors du coup je ne me suis pas inscrit sur PC. Mais là du coup je me suis inscrit sur PC parce que bon j'ai envie de tester le jeu, alors on va voir. Hein. Ça veut pas forcément dire que je vais gagner. Je veux juste dire que... Après, je ne sais pas du tout si c'est trop tard là de s'inscrire aujourd'hui pour le 12. Hein. De toute façon, au moment où vous voyez cette vidéo, ça sera... Si vous vous inscrivez, ça sera seulement pour la phase 4. Donc du coup, parce que ça sera trop tard. Déjà. Et bon, moi je serai inscrit un jour avant et en espérant que ça passe. Hein. Parce que je sais pas du tout c'est quand qu'ils vont faire les comptes, alors honnêtement c'est peut-être le jour même ou pas, franchement je ne sais pas, mais si c'est pas le jour même enfin, si jamais c'est le jour même c'est bien, mais bon si jamais c'est pas le jour même ça veut dire que là mon inscription n'a même pas été pris en compte finalement directement quoi. Donc c'est bon. En espérant que ça soit le cas. Il n'y a pas grand chose à dire de plus à part ça. Et puis que tout se passe bien pour le Motorfest, tout a l'air de bien se passer. Voilà, ils disent tout simplement que tout se passe bien et puis que ça continue
les tests continuent, voilà. Donc franchement, voilà, tout se passe bien et je sais pas quand le jeu sortira, on a toujours pas de date de sortie, mais je pense qu'on aura une date de sortie quand la phase 4 sera terminée. Moi, je pense qu'on aura une date de sortie quand la phase 4 sera terminée. Bah, en vrai, pourquoi? Parce que quand la phase 4 sera terminée, bah, il n'y a plus de phase. Et donc, vu qu'il n'y a plus de phase, il faudra bien qu'ils donnent des nouvelles hein, de comment ça avance. Hein. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ils mettront peut-être une date de sortie ou pas. Je sais pas. Enfin, bref. Hein. Pour le moment, je ne sais pas encore quand le jeu sortira. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a encore des tests qui se font sur le jeu. C'est tout. Quoi. Pour le moment, pas grand chose d'autre à part ça. Ça continue encore. Quoi. On a encore 2 mois de tests. Hein. Le jeu Motorfest, hein. Il va encore avoir normalement 2 mois hein, de tests. Hein. Si tout se passe bien, 2 mois. Hein. Alors oui, c'est long, 2 mois, mais c'est seulement dans 2 mois et plus que je vais sortir. Hein. Quand je dis dans 2 mois, c'est pas sûr que le jeu sortira dans 2 mois, mais c'est-à-dire que la phase 3 va durer 1 mois, et après la phase 4 va durer elle-même aussi 1 mois. Hein. Ça veut dire que là, on est entre guillemets à la moitié là, des tests sur le compteur face. On en est à la moitié, là on a fait la moitié, ils ont fait la moitié. Ça veut dire qu'il reste plus qu'à attendre la moitié, et donc théoriquement, je sortirai après. Vers une date de sortie, moi je dirais vers une sortie, dans 2 mois, alors on est en avril, donc mai-juin, donc les phases de test se termineraient vers le mois de juin, quoi. Vers le mois de juin, ça se terminera seulement, hein. Donc effectivement, le jeu pourrait sortir d'ici septembre, hein, fin d'année 2023, voire septembre 2023. À peu près ces heures, c'est à peu près ces plages horaires là je dirais hein. Après je sais pas, mais étant donné que ça finirait en juin, parce que finalement les tests finiraient que en juin hein. Donc ça sera que en juin que les phases de test, donc le jeu sortira pas avant juin, ça c'est sûr, parce que les tests seront jusqu'au en juin, donc jusqu'en juin déjà le jeu sera pas encore là, donc ça veut dire que si le jeu sort dans les alentours du mois de juin, ça veut dire que The Crew 2, la durée de vie des mises à jour sur The Crew 2 s'arrête. Bah, les mises à jour sur The Crew 2, normalement, doivent s'arrêter d'ici le mois de juin. Et ça serait parfait. Vous savez pourquoi ça serait parfait si ça a fini les mises à jour sur The Crew 2 en juin? Parce que The Crew Motorfest bah, pourrait sortir en juin, du coup. Donc, vous voyez ce que je veux dire, ça collerait vraiment... pour avoir bah, du coup The Crew 2 bah il est on fait plus de contenu dessus et maintenant on a ce jeu là bah, finalement ça collerait plus ou moins finalement après comme je dis je sais pas hein. Si ça se trouve ils vont faire sortir en septembre pour avoir encore de la marge hein, peut-être hein. Après tant qu'on n'a pas de date de sortie on peut pas voilà ils vont pas pour le moment vu qu'on n'a pas de date de sortie. Bah finalement on peut pas se plaindre parce qu'on n'a pas de date hein. Donc ils vont pas, ils disent pas en mode que le jeu va sortir ici puis il sort pas pour le moment. Bah, pour le moment la seule date qu'on a c'est 2023. Si le jeu sort après 2023 par contre là effectivement bah voilà, ils nous ont dit une date et qui paraît véritable. Hein. Pour le moment, bah ça compte toujours, hein. C'est 2023 et la date n'est pas passée. Hein. Donc finalement. Bah pour le moment, en tout cas, ils sont pas en tort pour le moment, hein, parce qu'ils sont toujours en train de faire ça. Hein. Mais bon. Et quand le commentaire fait sortira, la première chose que je ferai, bah, c'est que je ferai un let's play. Découverte déjà du jeu commentaire fait, donc déjà un let's play qui va bah, simplement je fais l'histoire du jeu. Et une fois qu'on a fini l'histoire en mode ça y est, l'histoire elle est finie, bah une fois que ça sera fait. On fera les vidéos telles que je le fais sur The Group, sur The Crew, c'est-à-dire tout ce qui est contenu à proposer sur le jeu. Je ferai ça uniquement que quand j'aurai fini ça. Hein. À moins que je fasse le let's play en plus de ça. Mais je pense qu'au début, je me contenterai de faire des vidéos let's play. Au début, sur le coup, en fait, c'est la seule chose que je ferai pour le haut début. C'est pour découvrir le jeu, l'histoire, déjà découvrir
Si, je crois qu'il y a une histoire en fait, et du coup, ben, je vais voir cette histoire. Et une fois que l'histoire sera terminée, on fera des vidéos comme j'ai fait sur le groupe et sur le groupe 2, parce qu'il s'agit que moi je dois préparer des vidéos, je dois préparer le contenu, parce que moi j'ai ben, en fait rien préparé. Donc le fait d'avoir une vidéo présentation de mise à jour, enfin c'est pas une présentation de mise à jour, mais c'est présentation du jeu si on veut dire, à peu près tout simplement ça quoi. Et donc le fait de faire ça, ben, ça m'aide moi. Ça, vous savez pourquoi ça m'aide vraiment? Ben, ça m'aide parce que le fait de faire ça, ça veut dire qu'entre temps, et ben moi je vais pouvoir découvrir le jeu entre temps et donc et ben, récupérer des pièces, ce genre de choses-là, par exemple. Parce qu'il y aura des finis. Et les finis, je sais pas c'est quand les finis. Donc je sais pas si c'est le week-end ou c'est le mercredi. Ça, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Après, j'ai envie de dire, si les finis, c'est mercredi comme du coup 2, bah tant mieux, honnêtement. Mais ça veut dire, en gros, que si jamais les finis, c'est sur. C'est aussi le mercredi comme du coup 2, bah ça voudra dire que les finis sur du coup 2, je ne fais plus en vidéo. Hein. Et ça sera remplacé par Jeu Combo Motorfest. Hein. Ça sera vraiment pour remplacer par Jeu Combo Motorfest, malheureusement. Hein. Ça, de toute façon, hein, comme voilà, je le dis. Hein, je vous le dis. Les vidéos sur Jeu Combo Motorfest, ça remplacera des vidéos sur Jeu Combo 2. Par exemple, toutes les vidéos que je fais les lundis et les samedis, ça sera remplacé par Jeu Combo Motorfest, hein, par exemple. Hein. Voilà, sachez hein, que les vidéos sur Jeu, par exemple le lundi, qu'est-ce que je fais comme vidéo sur Jeu Combo 2 hein? Bah, le lundi, c'est les toutes nouvelles épreuves que je fais sur Jeu Combo 2, mais s'il n'y a plus de mise à jour sur Jeu Combo 2, j'aurais plus de quoi proposer justement des vidéos sur Jeu Combo 2, hein, donc des toutes nouvelles épreuves ou des missions contracteurs, parce que je postais des missions contracteurs les lundis. Et samedi parce que j'avais pas grand chose à proposer réellement. Et donc justement, ce serait remplacé en fait. Alors le lundi, oui, ce serait remplacé par une vidéo sur Jeu Combo Motorfest. Après le samedi, je dirais pas forcément. Bah peut-être pas forcément. Parce qu'en vrai, le problème, c'est que le samedi, je vais toujours faire une mission contracteur le samedi. Donc comment on fait? Bah, je sais pas. Le lundi, c'est sûr qu'il y aura une vidéo sur Jeu Combo Motorfest. Après, effectivement, en vrai, je ne sais pas vraiment quand les poster. Après, si The Crew Motorfest sort, hein, bah, ça veut dire que du coup, il n'y aurait plus de vidéos Summit. Donc déjà, les Summit, après, comme j'ai dit, je ne sais pas si les Summit seront le mercredi. Alors, imaginons, si les Summit ne sont plus le mercredi, mais ils sont le samedi, par exemple. Alors, si les Summit sont le samedi et plus le mercredi, ça voudrait dire que le jeudi, la vidéo, ce serait remplacée par une vidéo Let's Play sur Jeu Combo Motorfest ou une simple vidéo épreuve. Hein. Ça pourrait être simplement remplacé par une vidéo épreuve. Hein. Mais une épreuve de. Ça pourrait être remplacé par une vidéo Jeu Combo Motorfest, hein, Let's Play. Ça ferait une deuxième vidéo Jeu Combo Motorfest, hein, si ça se passe comme ça. Mais ça, pour le moment, bah, comme je dis, on ne sait pas vraiment. Mais si c'est ça, ça se passera comme ça. S'ils trouvent que les summits, c'est le mercredi, bah, ça changera pas grand chose par rapport à l'habitude. C'est-à-dire les summits, ça sera Jeu Combo Motorfest sur le Jeu Combo 2. Voilà. Et puis le lundi, ben voilà, hein, c'est ce que je dis. Le lundi, au lieu d'avoir une épreuve, au lieu d'avoir une épreuve ou une mission contractor, ça sera une vidéo let's play. Voilà. Alors par contre, les vidéos let's play, je pourrais les poster que à certains jours. Ça veut dire que les véritables vidéos let's play hein, que je fais sur bah, par exemple Tiny Team, le dernier let's play que j'ai fait en date hein, et aujourd'hui vous avez un nouveau let's play, enfin un let's play que j'ai déjà fait mais que je refais, et ben ça sera pas la même chose. C'est à dire que les vidéos let's play que je fais actuellement, que je fais, ça sera pas tous les 3 jours, ça sera à certains jours précis et pas autrement. C'est-à-dire que pour le moment, ça sera seulement ces jours-là. Et voilà, pour l'instant, ça sera ça. C'est-à-dire que le lundi, il y aura une vidéo let's play. Ça sera tous les lundis, ça sera tout le temps comme ça. Hein. Voilà, le lundi, et après, bah, comme je dis, je ne sais pas vraiment quand poster une autre. Hein. Parce qu'à part le lundi, bah, on pourrait dire le vendredi.
On pourrait dire le vendredi. Après, le truc, c'est que le vendredi, je remplace déjà ça par une mission contractor. C'est vrai, le problème, c'est que le vendredi, je remplace déjà ça par une mission contractor parce que sinon, il n'y en a plus. Après, la mission contractor, je pourrais toujours à nouveau la reposter le samedi. Parce que le samedi, si, je pourrais vous poster une vidéo sur ce qu'on va faire ce vendredi. Parce que le samedi, je serai plus obligé de poster des toutes nouvelles épreuves, hein, sur Vico 2. Donc si, le samedi, je pourrais toujours remettre ma mission contractor le samedi. Donc le lundi et le vendredi, c'est possible. Je peux. Donc lundi, vendredi, je pourrais vous poster une vidéo sur le commentaire, mais pas les autres jours par contre, parce que les autres jours, ben, ça sera malheureusement comblé par d'autres vidéos, quoi. Bah oui, ce sera malheureusement pas possible. Donc voilà, quand The Crew Motorfest sortira, je pourrais poster que 2 vidéos par semaine. Enfin, 3 vidéos par semaine, parce qu'il y aura le summit, pas forcément dans la semaine. Hein. Oui, donc ça vous fait théoriquement que 3 vidéos par semaine, hein, sur The Crew Motorfest. Hein. C'est pas beaucoup, Romain, hein, c'est pas énorme. Hein. Et bon, après, il faut quand même se dire que The Crew Motorfest, quand il va sortir, il n'y aura peut-être pas forcément autant de contenu que sur The... Bref, c'est comme du photo, il n'y avait pas au début, quand le jeu est sorti, il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Hein. Et après, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Plus de contenu, quoi. Donc je pense que finalement, c'est pas grave si on en poste 3 par semaine, finalement. Après, voilà, hein, c'est que 3 par semaine, mais après, on augmentera... Bah, il s'agit en fait que les vidéos sur The Crew, parce qu'il s'agit que bientôt, j'aurai plus réellement de type de contenu à vous proposer sur The Crew. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein. Sur The Crew, et ben il y aura un jour, j'aurai plus, je ne saurais plus vraiment quoi faire sur The Crew. Hein. Voilà, et je vous l'avais dit, hein, sur The Crew, il arrivera un jour, je ne sais plus vraiment quoi poster comme vidéo sur The Crew. Hein. Et donc du coup, et ben c'est ça qui va être bien, c'est que le lundi, ben, vous êtes sûr d'avoir The Crew Motorfest. Et le mercredi, ben, au lieu que ça soit The Crew, ça sera remplacé par The Crew Motorfest. Hein. Et je vous avais dit que je crois qu'il y aurait de moins en moins de vidéos sur ma chaîne YouTube. Bah malheureusement, je suis contraint de dire que les vidéos sur The Crew vont malheureusement se réduire encore de une vidéo. Hein. Parce que les vidéos du mercredi, alors attention, les vidéos du mercredi au début, ça sera des vidéos let's play. C'est comme j'ai dit, let's play, c'est pour découvrir The Crew Motorfest. Mais sachez que quand ça sera terminé, les vidéos du mercredi seront remplacées par des vidéos balades sur The Crew Motorfest. Hein. Et oui, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc les vidéos sur The Crew que je fais le mercredi, et ben ça sera des let's play au début. Et ça sera après remplacé par les vidéos balades sur The Crew Motorfest. Hein. Ça veut dire des vidéos balades sur The Crew Motorfest, et ben ça sera ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas remplacé en mode on remplace ça par un contenu, voilà, non, c'est un let's play au début pour découvrir le jeu. Et après, ça sera, oui, il y aura plus de coups, mais The Crew Motorfest. Donc c'est toujours The Crew, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qui, bon, ça va faire du bien. Hein. Voilà, après, c'est bête, mais bon, The Crew, quand même, j'ai fait le tour. Hein. J'ai vraiment fait ce que je voulais faire. Hein. Et après, il y aura toujours une vidéo le dimanche. Sincèrement, par exemple, le dimanche, je veux vraiment toujours qu'il y ait une vidéo le dimanche. Hein. Et le vendredi, ben, si vous voulez avoir plusieurs vidéos The Crew Motorfest, je vais pas avoir le choix, quoi. Donc bon, du coup je vais m'arrêter ici parce que du coup c'est au feu rouge et puis il n'y a personne qui avance. On va attendre. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fini du coup ma vidéo, je voulais juste m'arrêter ici précisément. Et donc la prochaine fois, on se baladera du coup bah, de Sacramento. Alors après, je ne sais plus, c'est pour aller où. Alors attendez, je vais regarder parce que je ne sais plus tout ce qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est ça, c'est Sacramento pour aller à Dallas. Donc c'est-à-dire, je pars exactement de l'endroit où je suis pour se rendre à Dallas, se trouvant du coup juste ici. Donc vous voyez, le trajet, ça va faire encore une vidéo très très longue encore, hein, la semaine prochaine. Hein. Je sais plus exactement à Dallas, je sais plus où j'étais allé. Hein. Je m'en souviens plus, bref, faudrait que je regarde, hein, voilà, parce que c'est que la deuxième fois que je le fais. Hein. Donc je vous retrouve et ben du coup et ben à la semaine prochaine. C'était Solution Trophée.